en question. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant, Monsieur Eder, passer à un autre thème. À l'audience du 11 juillet 2013, vers 15h28, Monsieur le coprocureur, vous posez la question suivante. Je cite, concernant les informations factuelles, de sources factuelles, je ne vous demande pas d'avis ni de supputation, hormis les aveux de S21, est-ce que vous avez vu des documents factuels donnant des informations sur le fonctionnement du bureau 870 ? Votre réponse a été la suivante. Je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais pouvoir examiner à nouveau ces documents. Je pense qu'il y a différentes mentions, mais comme c'est une question litigieuse et cruciale, et comme il y a beaucoup d'ambiguïté au sujet des termes utilisés, même sur des bases factuelles. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que vous voulez dire par question litigieuse et cruciale? Alors, c'est ma traduction en française, je ne sais pas comment ça va vous être traduit en anglais, mais je pense que vous vous souvenez de ce que vous avez dit à monsieur le coprocureur. I think there's a fact not in dispute, which is that this number, this code 870, has something to do with the top structure in the party hierarchy or in the party structure overall. And there are those. There are testimonies, interviews, and some documents which say, or at least appear to say, something quite specific about the existence and the role of something called Office 870, because, as I said, very early on, it's not always entirely clear in Khmer when something is singular and when something is plural. So what 870 connotes, what Office 870, or what all Office 870 might be, it seems to me is sort of generally recognized as important, but not agreed upon either among the people to whom I have spoken or within the tribunal itself from my somewhat cursory reading of previous exchanges on this issue, previous in-court, open-court exchanges between the parties on this issue. So I wanted to, rather than talk off the top of my head about documents, which are maybe particularly important, I wanted to see the documents so that I wouldn't make any simple errors of memory with regard to the content of those documents. Oui, précisément, c'est là où je veux en venir au fur et à mesure. Je veux vous soumettre certains documents pour avoir votre éclairage de personnes qui ont enquêté sur la question.
Mais au préalable, parce que nous avons justement des documents qui évoquent le chiffre 870, mais avec des vocables différents, je voudrais déjà vous soumettre différents vocables et me dire et vous demander si ça correspond à quelque chose de précis en fonction des enquêtes ou des éléments factuels que vous avez eu à connaître. Premier vocable, comité 870. Est-ce que comité 870, c'est la même chose que bureau 870, que M870? Thank you, Mr. President. I think we are getting into the realm now of opinion. If there's a specific document with 870 committee or M870, and Mr. Hedder confirms that he's seen that particular document and is asked questions about that particular document, that may be non-opinion evidence, but in my respectful submission, we now have hit the marker where we're going from treating Mr. Hedder as a witness of fact to an expert witness commenting upon potential interpretations of phrases in documents that aren't even being shown to him. Comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président, je vais en venir au document. Je vais peut-être formuler ma question différemment. Avez-vous entendu le vocable comité 870 dans le cadre de votre travail devant les CETC ou dans le cadre de vos enquêtes et entretiens? Comité 870. Yes, and yes. I mean, I certainly heard the phrase, the formulation referred to before the existence of the court, during and after the existence, or during and after the time that I was at the court. And I just for being pedantically specific, I can't think off the top of my head of an instance in which it actually appears in the full phrase committee 870 or 870 committee. To my recollection, in terms both of documents and in terms of oral accounts, it's always referred to as COM 870. Which appears to be a shortened form for the word committee, commonly appears as a short form for committee, according to what I've been told by people to whom I've spoken. At the same time, other people to whom I've spoken have said, with reference to COM, that it was often used to refer to a single individual. So people to whom I have spoken over the years said that it means committee, or said that it refers to the top person in that committee, or said, even more frustratingly, sometimes it means one of these things, sometimes it means the other. So that's something I have been told, certainly more than once over the years. And that's why in my prefatory remarks to the prosecution I talked about ambiguity. There is ambiguity in this formulation, according to what I've been told.
Est-ce que vous avez entendu le vocable? Alors, je vais le dire en français. Bureau 870, et en Khmer, le mot serait Munti 870, avec mon Khmer inexistant, mais Munti 870. Est-ce que vous avez entendu ce vocable? Ou vu? Yes, again, both before my, before, in my own work, before the court was established, in my work, while I was at the court, and since. And to clarify the linguistic issue, Munti is conventionally translated as office. M before 870 is conventionally understood or to mean to be a shortened form for office. I've had some discussions about this matter with Cambodian and Vietnamese party members who are familiar with both languages. They have said to me that this word Munti in Khmer is derived from a Vietnamese word Phong, which means room or office, and which in Vietnam, in conventional translations of Vietnamese, sometimes is rendered as service. So again, take your pick. But it's all the same word. It's just how it's understood or how it's rendered into a foreign language. Et avez-vous déjà dans le cadre de votre travail avant, après, pendant les CETC eu à connaître des documents ou des entretiens où on évoquait le vocable bureau politique 870? I really think I've only seen that once in a document, and never or too few times to remember in oral accounts. So there's not a lot, to my recollection, specifically using that term in any of the contexts that you asked about. Et dernier vocable pour lequel je vous pose la même question que les précédentes. Est-ce que vous en avez entendu, vu, lu dans le cadre de vos activités avant, pendant et après les CETC? Frère 870, est-ce que vous avez déjà eu à connaître ce vocable? I believe I've seen that on what are reported to be internal CPK documents, which I saw both at DC CAM before the court was established and at the court while I was working at the court. Comme vous m'avez indiqué que vous avez vu la mention bureau politique de 870 dans un document, je souhaiterais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, vous présenter en Khmer un document E3-182, et avec l'aide de Monsieur l'huissier, je souhaiterais qu'on remette le document en Khmer Monsieur Eder, et pour les parties, l'ERN en français, le 00-292-868,
Est-ce que, tout d'abord, Monsieur le Président, je suis autorisé à remettre le document? Le RN en Khmer 00001908. Le RN en anglais 00183393. Je précise que le passage qui m'intéresse se trouve à la première page du document dans les trois langues et à la... Enfin, il y a la page suivante. Donc, première page, simplement savoir qu'il s'agit de la réunion du comité permanent du 9 octobre 75. Et l'ordre du jour est listé comme suit. 1. La répartition du travail et le déroulement. 2. L'organisation de la vie collective. 3. La gestion de quelques travaux concrets, le commerce, l'armée. Je vous laisse parcourir le document, Monsieur Eder, et me dire si vous avez souvenir d'avoir déjà vu ce document. Yes. Je poursuis sur cette première page. Petit 1, la répartition du travail et le déroulement. Sous petit 1, camarade secrétaire, responsable de l'armée et de l'économie. 2, camarade sous-secrétaire, le travail du parti, les affaires sociales, la culture, la propagande et l'éducation. 3. Camarade Van, les affaires étrangères, à la fois du parti et de l'État. 4. Camarade M, responsable du front et du gouvernement royal, du commerce, des listes et des prix. 5. Camarade Touk, le commerce national et international. 6. Camarade Kieu, responsable de l'État-major et de la sécurité. Je poursuis. 7. Donc, la page suivante, les ERN suivants également dans toutes les langues. Camarade Vorn, l'industrie, le train et la pêche. Camarade Dune, chef du bureau politique de 870. 9. Camarade Pia, responsable de la culture, des affaires sociales et étrangères. 10. Camarade Hatt, la propagande de l'éducation à l'intérieur et à l'extérieur. 11. Camarade Chey, l'agriculture. 12. Camarade Yem, le bureau de 870. 13. Camarade Pang, le bureau d'administration. En français, c'est traduit administration. C'est donc une répartition, si je comprends bien ce document. Et au numéro 8 que je viens d'indiquer, il y a Dunn, chef du bureau politique de 870. Il me semble savoir que là, Munti, enfin bureau, est indiqué Munti en Khmer. Est-ce que c'est bien correct? Est-ce que c'est dans ce document que vous avez vu l'expression bureau politique de 870 dont vous me parliez tout à l'heure? Yes, and indeed the term that has been almost universally translated as office is the Khmer word Munti, or something a little bit odd about the formulation here. It uses the possessive Khmer form raboh after the words political office, which is a bit odd in this context because it's not used elsewhere. And it sort of gives the sense
of belonging to. So if you wanted to elaborate the meaning, it could be read as chairman of the political office belonging to 870. Whether there's a distinction between 870 on its own and belonging to 870, I guess that's an expert question. But it's odd. Au numéro 12 de cette liste, il y a, en français c'est également traduit par bureau, le bureau Camaradiem, le bureau de 870. Et là, on m'indique qu'en Khmer, et je vous prie d'excuser mon accent, c'est Karyalay qui est utilisé comme mot. Est-ce que vous aviez déjà entendu cette expression Karyalay? Et est-ce que vous savez, en fonction des documents ou des entretiens que vous avez pu avoir dans le cadre de vos activités et l'examen des éléments factuels, à quoi correspondait ce Karyalay 870? I think I can say that this is the only time I have ever seen or heard this formulation. If I had to translate in order to establish a distinction between the two terms, I would use something like bureau to render Karyalay, if only in order to distinguish it from the more common use, the more commonly used word manti. So these are two different words, each of which could be translated as office. To my mind, the native speakers will all jump up and down and say I'm completely wrong, but to my mind, Karyalay has a more bureaucratic and petty connotation than manti, at least in Khmer Rouge speak, maybe not in the general language. But indeed, there's something different here. What that something different is hard to say. Je vous remercie de ces précisions. Je souhaite évoquer avec vous un autre PV. Non, ce n'est pas exactement un PV, c'est le document E3-235. La référence en Khmer 000 19 142, c'est la première page. La référence en français 00 322 968, et la référence en anglais 00 18 34 16. Donc c'est la première page qui m'intéresse, et le document est intitulé « Résumé de la décision du comité permanent de la réunion du 19-21 avril 1976. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document en Khmer à M. Heder afin qu'il puisse suivre de façon plus complète. On m'indique que pour l'instant nous ne l'avons qu'en anglais. Je veux bien remettre la version en anglais. Et on va afficher la version en Khmer à l'écran en attendant d'avoir la version papier du document en Khmer. Puisque l'intérêt, c'est que vous puissiez le suivre dans la langue originale. Donc, je ne vais peut-être pas faire déplacer monsieur Lucy tout de suite. J'attends d'avoir le document en Khmer. Est-ce que le document est affiché? Donc, après le titre de la décision, voilà ce qui est indiqué.
Après trois jours de discussion sur les problèmes inscrits à l'ordre du jour, le comité permanent a pris la décision comme si après. Grand 1. Au sujet de la création des divers comités autour de 870. Petit 1, le comité du commerce. Là, je vais pour l'instant m'attacher simplement au nom des différents comités, ne pas massacrer les noms tout de suite des membres. Donc petit 1, le comité du commerce. Petit 2, le comité de l'énergie. Petit 3, le comité du transport terrestre. Petit 4, le comité du transport maritime. Petit 5, le comité des entrepôts de Phnom Penh. Petit 6, le comité des ports. Ça se poursuit à la page suivante. Petit 7, le comité de l'agriculture. Petit 8, le comité de l'industrie. Petit 9, le comité des transports publics. Petit 10, le comité des chemins de fer. Petit 11, le comité de la couture des vêtements. Je termine la citation pour le moment et je demande l'aide de M. l'huissier puisque j'ai enfin le document en khmer à la disposition de M. Heder. Ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez connaissance de ce document? Est-ce que vous avez eu à le consulter dans le cadre de votre travail avant, pendant ou après? Yes. Est-ce que vous avez eu à entendre des personnes dans le cadre d'entretiens ou d'auditions ou est-ce que vous avez vu des documents qui faisaient référence à ces divers comités sous autour de 870? Yes, quite a few in both regards, both documents and oral material, oral interviews. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Là, je voudrais poursuivre sur un autre document. Il s'agit du document E3-220, ERN en français 00-32-38-91, ERN en anglais 00-1-8-2-7-06, ERN en khmer 00000827. Comme tout à l'heure, en attendant que le document vous soit fourni en version papier, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher à l'écran. C'est un procès-verbal de la réunion du comité permanent le 7 mai 1976. Et sous le titre, il y a le problème du commerce. Les participants, le super camarade secrétaire, le super camarade sous-secrétaire, le super camarade Van, le super camarade Van, le super camarade M, le super camarade Dun, le super camarade Touk, le procès verbal. Avec l'aide, encore une fois, de M. Bissier, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document en khmer à M. Heder. Au petit 1 de ce document,
Thank you. Donc, petit 1, le comité du commerce. Muté le super camarade Chey de l'agriculture pour diriger le commerce. Le super camarade Dunn va travailler au commerce pour une durée de 3 mois. C'est le mois de mai, de juin et de juillet. La mi-journée au bureau et l'autre mi-journée au commerce. Le super camarade Dunn choisit un certain nombre de camarades prêts à la formation pour le commerce à l'extérieur du pays. Leur capacité est égale à celle du super camarade Chun ou inférieure. Fin de citation. Première question, je n'ai que la version française à ma disposition. J'ai à la phrase, le super camarade Dunn choisit un certain nombre. La mi-journée, le super camarade Dunn va travailler au commerce pour une durée de 3 mois, etc. La mi-journée au bureau et l'autre mi-journée au commerce. Quel est le terme bureau utilisé en Khmer? Et est-ce que vous avez déjà vu ce document? J'aurais peut-être dû commencer par là. Yes, I have seen the document, and the Khmer term used is munti. Je voudrais maintenant passer à une autre série de documents qui ne sont pas des PV de comité permanent, mais qui sont des télégrammes. Et là, pour cet exercice, je vais, comme ce sont des documents courts et que je sais que vous parlez les 3 langues, a priori français, anglais et khmer, je voudrais vous donner les 3 exemplaires, puisque je crois comprendre qu'il y a des traductions différentes et je veux être sûr que nous parlons de la même chose. Le premier document est le E3/258. Je souhaiterais pouvoir afficher le Khmer autant qu'il est lisible à l'écran et donner, avec l'autorisation de M. le Président, les 3 exemplaires à M. Eder pour savoir déjà s'il a déjà eu connaissance de ces documents. Alors, sur le, je vous demande d'abord de vous intéresser à la version Khmer, dont les références, les ERN sont les suivantes. 0000 11 08. Et je vais vous demander également de vous référer à la version en français, puisque c'est celle que je vais utiliser, qui a la référence 00531058. En français, moi je lis sur ce document, télégramme 03, caractère 267, à l'attention du cher comité central 870, bien-aimé. En anglais, et c'est le 3e ERN, 00522 9 1 1. Je lis, et là je vais le dire en anglais. Telegram 3, 267 characters. To be loved and missed, office 870, come. Ma question est la suivante. Sur le document en Khmer,
Quel est le mot qui figure exactement? In the original Khmer salutation, it's all in abbreviated form. So there's the letter M, Mo, which presumably is short for Munti. And there's the short form Kam, which is presumably short for committed. So the French rendering is, to me, not a precise translation, but an expansive interpretation. And that's what results in the use of committee central, excuse my bad French accent, which I don't think is justified under the circumstances of these terms having to be dealt with great care. The English is perfectly acceptable. Quibble about the order, but, and you could shorten office to OF or O or something to signal that it's not the full word. English is good enough. French is too expensive to interpret. Je vous remercie de ces clarifications. Est-ce que vous aviez déjà à voir ce document? Yes. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du pluriel et du singulier. En Khmer, la question ne se pose pas, mais en tout cas en français, c'est clair qu'elle se pose. En français, moi, je vois sur le document, en termes de copie, copie à l'oncle Nguyen, au frère Van, au frère Vorn, au bureau au pluriel et aux archives au pluriel. La question ne se pose pas ni en anglais ni en Khmer. Est-ce que de la lecture de ce document en Khmer, vous avez su à la lecture si on parlait de un bureau ou de plusieurs bureaux? On the face of it, the Khmer, which is completely without context in this document itself, on the face of it, it's ambiguous. You couldn't know without a broader context whether the Munti that's mentioned at the bottom of the Khmer version of the document is singular or plural. At least I couldn't know. I would look at that and make a guess as to whether I thought it was most likely singular or plural, or I would use parentheses, square brackets, to indicate that it's ambiguous. That's if I just had this single piece of Khmer language text to deal with. In context, one might be sure of the singularity or the plurality, but only with context. Je voudrais, avant de passer à un autre document, Monsieur le Président, je vois qu'il est 4h moins le quart, un petit peu dépassé. Je souhaite à ce stade-ci renouveler ma demande. Alors là, dans un premier temps, ce n'est pas une demande d'extension de temps imparti, puisque normalement j'avais une journée accordée et qu'il y a 1h10 qui ont été grignotées par
des objections et des soumissions. Donc je demande dans un premier temps la possibilité d'avoir cette heure 10 qui m'est nécessaire pour la poursuite. Et je maintiens ma demande qui avait été faite initialement d'avoir une heure et demie supplémentaire, en tout cas de pouvoir terminer mon interrogatoire dans la matinée de demain, parce que, comme vous avez pu le constater, c'est vrai que c'est un exercice fastidieux que de devoir rentrer dans le détail des documents, mais c'est la seule façon que je vois de procéder. Ce sont des éléments importants, vous l'avez compris, dans le cadre de la défense de M. Kesampan. Et puis surtout, nous n'avons eu au départ, au niveau de la défense, que deux jours d'accorder, alors qu'au départ, il y en avait deux jours et demi accordés pour les parties civiles et pour les coprocureurs qui ont eux-mêmes dépassé ce temps. Et je demande que, que vous m'accordiez également cette extension de temps, étant précisé que j'ai encore pas mal de thèmes à couvrir très importants dans le cadre de la défense de M. Kesampan. Donc je fais cette demande maintenant à 4h-10 pour pas qu'il y ait de difficultés à 4h, mais je suis loin d'avoir terminé l'examen des documents que je souhaite évoquer avec M. Eder, il y a encore, et les entretiens de l'Insari et les entretiens avec mon client. Voilà, M. le Président, donc je souhaiterais si possible avoir votre décision avant l'heure fatidique de 4h. Merci, Monsieur le Président. En fait, je souhaiterais savoir ce que veut dire la session. Est-ce que ça veut dire la matinée ou est-ce que ça veut dire la première partie jusqu'à la pause de midi, de 10h30. Ça veut dire que je n'ai pas de temps supplémentaire et que j'ai juste le temps qui m'était accordé au départ. Donc, j'en conclus que la Chambre ne m'accorde pas d'extension. C'est ça. សម្រាប់ព្រឹកស្អែកឥឡូវលោកត្រីសុំយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យច្បាស់លាស់លោកត្រីសុំឲ្យអង្គជំរះគិតគូរទទួលតតសងវិញនៅពេលវេលាដែលមានការបាត់បង់ហើយសុំបន្ថែមពេលវេលាមួយវគ្គទៀតវាស្មើនឹងមួយព្រឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃស្អែក En fait, avec l'intégralité de la matinée demain, avec peut-être l'espoir de raccourcir un peu si j'ai cette ce soir pour essayer de concentrer, mais à la fois le temps perdu de 1h10 d'aujourd'hui et au moins une heure supplémentaire que j'avais demandé au départ. Donc toute la matinée, si c'est possible, pour que ce soit plus clair. អង្គជំរះសម្រាប់អញ្ចេះថា
ពេលវេលាដែលលោកស្រីមានដើម្បីក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សីស្ទីវហេដឺនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺ6វគ្គបានន័យថាត្រឹមម៉ោង Bien, écoutez, je prends, je verrai si j'oserais faire une demande éventuelle de prolongation s'il y avait un problème crucial que je n'aurais pu aborder. Je continue, Monsieur Eder. Je voudrais maintenant vous soumettre toujours à nouveau une série de trois documents dans les trois langues. Il s'agit du document E3-893. Qui est un télégramme numéro 78. Et avec l'aide de M. l'huissier, je demande qu'on puisse remettre ces trois documents dans les trois langues à M. Eder et qu'on puisse afficher la première page en khmer à l'écran. Là, à nouveau, je vous demande d'abord de vous référer au document en khmer à la première page. Le RN est le 00000708. Le RN en anglais est le 00182629. Et en français, 00386272. En français, je lis télégramme numéro 78 au respectueux Bang, camarade 870 et Bangvi. En anglais, je lis. Et là, je le lis en anglais. To brother M870, entre crochets, office 870. Je ne sais pas si c'est la mention du traducteur. And brother V with respect. Ma question est la suivante. En khmer, que lisez-vous et avez-vous déjà eu ce document en main? Yes, this one is familiar as well. And again, sadly, the English translation is much closer to the original, exact with the original, I would say, whereas the French contains an interpretive expansion, the addition of comrade. Et enfin, une dernière série de documents. Il s'agit cette fois-ci du document E3-902. En khmer, le RN est le suivant 00020894. En anglais, le RN est le suivant 00183625 et en français 00324514. Avec l'autorisation, Monsieur le Président, je souhaite qu'on remette cette dernière série de télégrammes à Monsieur Eder afin qu'il puisse les compulser dans les trois langues.
et j'indique qu'il s'agit du télégramme 238 qu'on peut lire fréquence 195 en français et c'est adressé à l'attention du respecté et bien-aimé comité central 870, c'est ce qu'on lit en français. En anglais, on lit Dear Beloved M870, et je vous demande ce qu'on lit en khmer. Et si vous avez déjà vu ce document. Yes, I've seen the document, and all I can say is, oh dear, both the French and the English are wrong this time. The original Khmer reads, presented with respect to COM 870. So there's no central committee, there's no M for office. Presented with respect to COM 870. And I'll gloss it by saying, leaving ambiguous whether COM is a committee, a whole committee, one committee, another committee, or whether it's a single individual. Je vous remercie pour ces précisions. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. J'ai terminé sur ces documents sur cette cause. Est-ce que vous souhaitez que nous marquions la pause maintenant pour reprendre demain matin? លោកគឺសំផនហើយសូមភាគីនៅរឿងក្តីមន្ត្រីបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងកិច្ចចំណាការសំណាការរបស់អង្គចំនួនជំរះនិងសាធារណជនជ្រាបលោកស្ទីវហេដឺការស្ដាប់ទៅខេកកម្មរបស់លោកនៅបន្តចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះនឹងធ្វើសំណាការបន្តស្ដាប់ទៅខេកកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះសូមកោះអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់ទៅខេកកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9:00 នៅជាបកបអំណងខ្លួនមិនត្រឹមបន្ទប់ឃុំខ្លួនដែលស្ថិតនៅពីក្រមសាលសមការនេះដែលមានរៀបចំឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចចំណាការសមការពីចម្ងាយសម្រាប់ចុះ